tous les abonnés, mes abonnés. Merci du fond du cœur de continuer à liker mes vidéos, à s'abonner et surtout activer la cloche de notification. Ça nous fait vraiment plaisir de voir comment est-ce que les Warriors sont nombreux. Sans plus tarder, je vais mettre le numéro de téléphone que vous allez réagir. C'est par ces numéros que les Warriors ont le droit de réagir dans tous les lives dans cette émission 100% Fally Ipupa. Si on a fait cette émission, c'est pas seulement parce qu'on voulait le faire, parce que on voulait vraiment recadrer des choses, de mettre un peu le bâton dans le zi. Donc, on voulait vraiment faire des choses bien. Et on voulait aussi vous donner la capacité de réagir par appel. Le numéro est déjà mis par commentaire, donc vous pouvez déjà appeler et réagissez. Nous allons voir vos appels et tout le monde a le droit d'appeler. Tout le monde a le droit d'appeler. Aujourd'hui, on va traiter des sujets, ce qui se parle dans le toile. On va parler des vraies choses que les internautes en ont besoin d'écouter. On a vu affaire Kibokolo. On a plusieurs affaires qu'on va tourner aujourd'hui. Sans plus tarder, on va chercher la première personne qui veut déjà réagir à ce qui concerne cette émission, émission 100% Fally Ipupa. Ici, on traite de vrais sujets, on parle des vraies choses. Donc, on verra la première personne qui peut déjà entrer au live. Comme ça, on va parler des choses. Ça fera vraiment du bien de voir la réaction de voir. Voilà, on va commencer d'abord avec le premier sujet parce que les gens ont trop parlé hier. J'ai vu vos commentaires, j'ai vu tout ce que vous avez écrit. Il y a des gens même qui m'ont écrit sur mon compte WhatsApp. Il y a des gens que j'ai répondu, il y a des gens que je n'ai pas pu avoir le temps de répondre parce que d'autres personnes n'ont pas compris l'idée, d'autres personnes n'ont pas compris le thématique de l'histoire, de ce que moi je voulais dire et de ce que la réalité des choses. Donc, c'est comme ça. Nous, on a toujours l'habitude de dire. Quand on touche à Fally, on touche au Warrior. C'est Fally Ipupa ou rien. D'abord, ce que moi je voulais dire au Warrior. Un vrai Warrior, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle un mental d'acier. Un vrai Warrior, c'est quelqu'un qui se bat jusqu'à la fin. Un vrai Warrior, c'est pas quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui affronte des choses. C'est quelqu'un qui affronte des problèmes. C'est quelqu'un qui est là. Pour se débattre et combattre. Un warrior, il peut rester seul dans un pays et il se bat jusqu'à sa mort. C'est ça un warrior. Un warrior doit avoir un mental d'acier, un combattant. Si on traite d'abord le sujet, ce qu'on a fait hier, beaucoup de gens m'ont écrit, oh non, le master, comment t'as fait ça? T'as dit patati patata. Non. On n'a peur de rien. Moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire, Fally Ipupa, aujourd'hui, il est tellement grand, il est tellement grand que non, il mérite du respect de beaucoup de choses. On a dit ça pour le BT Award, on a dit ça pour les grades, on a dit ça pour tout. Fally, ce n'est pas un artiste qui vit pour les trophées. Fally, ce n'est pas un artiste qui commande les trophées. Fally, ce n'est pas un artiste qui est en train de pleurnicher les trophées, non. Fally, c'est un artiste qui mérite tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il obtient, il le mérite. Gagner un trophée ou ne pas gagner un trophée, Fally restera le Fally Ipupa, Dicap, la merveille, le king. Gagner un disque d'or ou pas, Fally Ipupa restera le roi de la musique congolaise et de la musique francophone en Afrique et de la musique en Centrafrique. Fally, c'est un artiste capable, redoutable, de tout faire et de bien faire et de mieux faire. Dans lobby boyé, Fally Ipupa, c'est un artiste capable de tout faire, de mieux faire et de bien faire. Il est capable de tout faire dans la musique. Il a créé ce qu'on appelle le fan buzz. Nous, les warriors, nous, ces soldats, nous, ces combattants, nous, on est là, pas seulement pour. Il y a d'autres warriors, j'ai vu vos commentaires, vos messages. Bozobanga trop, je ne comprends pas. C'est d'autres artistes, et leur, je peux dire, les Miolongo,
Vous allez savoir qu'est-ce qui kibokolo aujourd'hui. D'autres artistes avec l'air les Miolongo n'ont peur de rien et ils citent les noms de Fally malgré que Fally fait mieux que tous les gens. Malgré que Fally... Voilà, on va prendre l'appel. Allô? Allô? Bonsoir, vous êtes en direct de l'émission 100% Fally. Pourquoi aujourd'hui, je crois vraiment que tu es prêt à régler des vrais problèmes parce qu'il y a vraiment des problèmes, ce qu'on appelle incompréhension à ce qui concerne ce que moi j'ai pu dire hier, à ce qui concerne Afrima Award et aussi le sujet des récompenses et des trophées. C'est devenu maintenant en désordre et le sujet des maisons de disques. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as à dire à tous ces sujets-là? Allô? Allô? Voilà, le monsieur a coupé. On va chercher de lui répondre si le monsieur est vraiment en direct. Il va traiter des dossiers vraiment vrais. Voilà, je crois que le monsieur est occupé. Il ne peut plus répondre. Voilà. Aujourd'hui, le niveau de Fally Ipupa, c'est devenu un niveau très élevé. Moi, je vous avais dit et promis. Parce que quand le master de la presse vous dit des choses, moi j'ai dit et j'ai promis, j'ai dit, je demanderai à Fally Ipupa de ne pas participer aux Afrima Awards 2022. Pourquoi? On avait des raisons à boycotter, ce n'est pas boycotter, mais on avait des raisons que cette fois-ci, Fally Ipupa ne puisse pas se rendre aux États-Unis. Fally, il doit se faire respecter. Et nous n'allons pas donner l'aval aux artistes musiciens congolais de vivre toujours à l'ombre de l'artiste musicien Fally Ipupa. Nous n'allons plus jamais donner l'aval aux artistes musiciens de la RDC de vivre au succès, la réussite et l'ombre de Fally Ipupa. Tokope Selisusu Mutu, succès wanate, occasion wanate, à vivre dans l'ombre de Fally. Plein des artistes musiciens congolais aujourd'hui vivant qui est à l'ombre de l'artiste musicien Fally Ipupa. Fally, indirectement, il contribue dans la réussite de plusieurs artistes musiciens congolais. Même en Afrique, on avait vu quand de Bordeaux a attaqué Fally, qu'est-ce que ça fait pour lui? Il a même récupéré ce buzz-là pour sortir une chanson. Nous, les Warriors, je vais vous dire. L'album Formule 7. L'album Formule 7. Peut-être ça ne sortira, ça va plus sortir le 9 décembre. Pourquoi? Parce qu'il y a des artistes qui ont collé Fally Ipupa. Donc, si Fally met sa date, moi, quand j'étais à Paris, si le président regarde l'émission, il va s'en souvenir, mon président Fally, je lui ai dit, président, tout le temps, il y a sa date. Pourquoi je disais ça à Fally? Lui-même, il savait déjà, il m'a dit, ouais, master, mon il disait déjà ça. Il sait tout ça. Quand lui met une date de production, quand il met une date de la sortie d'une chanson, d'un album, c'est tout le monde qui vient lui coller. C'est tout le monde qui vient lui coller. Tout le monde va lui coller. Fally a mis la date du 2 décembre pour sortir Formule 7. Il a même dit ça à l'émission de Claudicia, si tout le monde l'a suivi. Après ça, moi je cite les noms de gens en live. Après ça, Kofi Olomide a sali Gémo Kobo pour dire non, mon album a fuité. L'album est fait en novembre. Quelle date il a mis? C'est pas le 26 novembre, je ne me trompe pas. Voilà, le 26 novembre, c'était un samedi. Fally a mis la date de la sortie de son album Formule 7, le premier, le 2 décembre. Kofi Olomide a sali Gémo Kobo pour dire
Mon album a fuité, je dois sortir mon album le 26 novembre. Ça veut dire une semaine après, donc une semaine avant Fally. Pourquoi tout ça? C'est parce que on connaît, il y a des chroniqueurs cupides. Quand je dis chroniqueurs cupides, ce sont des gens qui n'est pas un musicien pour passer à la bombe à promotion à émission à YouTube. Soyons clairs, il y a des produits, il y a ce qu'on appelle, il y a des chroniqueurs cupides de l'Internet. Si on lui paye l'argent, il va commencer à dire oh, album est Simbi, album ici ça frappe. Mais nous, on connaît même pas une chanson, on connaît même pas la partition d'un album. Mais comment on peut dire un album a marché si il n'y a même pas une chanson phare dans cet album-là? Quand on dit des albums de Fally pour pas marcher, par exemple, on va prendre Tokos. Tout le monde connaît Nijamo, bébé. Tout le monde connaît Eloko Yamoni Miziki. Tout le monde connaît Siamoi. Ne te que j'ai vu la misère, tu n'es pas à moi. Tout le monde connaît des chansons comme Nalingiye, Nalingiye, Nalingi. Tout le monde connaît Parler, 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 Parler. Tout le monde connaît Bad Boy. Ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma. Tout le monde connaît Essengwe Zaliye, Essengwe Zaliye. Tout le monde connaît Bosa, Opesa Kanga Baposa, Opesa Kanga Baposa. Qui ne connaît pas ces chansons-là? Mais quand on dit un album a marché, quand on dit un album a tenu, quand on dit un album a marché, mais il faut que toi et Babanzé, on doit connaître des chansons. Mais moi, je m'étonne toujours. Oh, album Ezo Beta, album Ezo Tambola, album. Mais Ezo Beta Wapi, ça joue où? On ne connaît même pas des partitions, qu'on appelle partitions, c'est seulement. Comme on avait Alvaristo Solo, c'est ça ce qu'on appelle la partition. On ne connaît même pas des partitions, on ne connaît rien dans des albums que les gens sont venus nous dire à l'internet, oh, cet album a marché. Mais comment un album peut marcher sans pourtant que cet album-là puisse avoir une chanson phare? Quelle est cette chanson phare? Si on prend Tokos 2 par exemple. Licolo, licolo, licolo. Un coup, un coup. On connaît des chansons, on connaît des tubes dans l'album Tokos Day, Les 8e merveille, Les Amore. On connaît plusieurs choses à ce qui concerne l'album de Fally, les albums de Fally Ipupa. Mais quand maintenant on prend, voilà, il y a un appel qui est entré, tous en moto. On va partir, on va parler. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va et vous? Ah, ça va, j'attendais ton live, donc je pense que Voilà. Aux en live, bah, d'abord, si j'ose au monde, Batrofa Kiboko, le Komiko Bima, on ne connaît donc, plus. Tout s'est mélangé maintenant. d'abord, on va d'abord féliciter l'artiste, comme j'avais dit hier, pour tout ce qu'il a fait en 2022, il méritait une fête. Donc, quand j'ai vu ça, hein, je me suis dit, oh, ok, en tout cas, merci quand même. Donc, nous, on est un artiste. Deuxièmement, j'ai vu Daniel Lys aujourd'hui, dans l'émission à Vincent. Donc, maintenant, le monde, c'est, oh, Balingi, c'est quoi? Toute vérité, tout le baron les lots. Donc, Balingi, à chaque fois, il fallait, avant ça, l'actualité, faire les faits croyants à contraire. Donc c'est ça, parce que c'est ce que a dit aujourd'hui. Donc faire ce qu'il fallait à Sali, oui, il faut ça l'amour. Est-ce que faire pour vivre les gars dans l'ombre et à Fali? Mais il va faire quoi? Le gars, l'album Ney Balzo, mais Simbi, mais Bissot, il va ta partition, mon roté. Il va faire quoi? Il va continuer avec la polémique. On continue à Babylon, il va vivre derrière les dos de Fally. Donc c'est moi, tu sais quoi? En tout cas, j'ai connu YouTube congolais, ça fait 6 ans. Mais d'abord, je regrette. Pourquoi on n'y a pas YouTube? Bon, il y avait un ami, hein. C'est la vérité. Un ami qui m'a envoyé les Américains, tout ça. Donc, il y avait un ami qui m'a envoyé les liens. Il y avait un congolais, la moyenne, quand congolais. Je t'ai dit la vérité, Mastor. Je regrette la date. On a YouTube congolais. Parce que dans mon amour que.
ça fait très mal, tu vois. Parce que, donc, ce que Denles a dit, que ferait ce qu'il fallait à Salim Bouy pour sa langue, à son âge, parce que fallait élever sa fille, fallait créer un cabatoil de naïe. Voilà. Pour faire ce qu'on a obligé, aïe, ce qu'on a besoin d'actualité. Ce qu'on a, disque d'or, apparemment, à mon disque d'or, mais je me suis posé une question. Est-ce que l'Afrique du Sud, par exemple, la syndicat, ou le certificat? Oui, Afrique du Sud, ils ont un syndicat. Oui, Afrique du Sud, ils ont un syndicat, ou ils ont certifié un disque d'or. Le mec n'a pas eu un disque d'or. Oh, bon, on a un disque d'or, tu sais. Ils allient aux maisons et à production naïe où ils produisent album wana de épaisier ma bende wana bumoni va épaisier wana que non meilleur ce qui mélodie album sur penino. Je vais lire ça après. Il y a mon gars Robin Ango va trophée à Kibokolo. Ils arrivent parce que fallait aller la frima. Est-ce qu'on a n'importe na Kibokolo wana. Actualité. Non, bon, que bon, Kiboko, les acquis de. Non, bon, Kiboko, on a expliqué bino bien. Les acquis déjà préparés parce que Bango, on a mis tout na Bango, il y a Kabosh, na Bango, il y a Kaka, Baboulara Kino, Moutouan, il y a rival, il y a Fali. Voilà. Comme Fali a gagné un disque d'or, Bango va préparer qui pour un artiste na Bango. Bango, après, c'est Moutouan, na Borana depuis Kala, mais Azaki n'est prisonnier. A qui prisonnier, Azari n'a suri un mois au quitté France T, bah préparer qui déjà disque n'a pas moi et Kiboko le va payer. Mais qu'est-ce qui a fait l'erreur dans le disque Kiboko le papa? Ils ont moins bah quoi ça disque d'or ils y sous les artistes. Si c'était à l'époque où il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas bah Snap et Andor et ni Brute, ben on va bien d'abord à Kiboko le on a disque d'or. Vous comprenez? Comme ils ne peuvent pas appeler ça disque d'or, ne balobi non. Tout bien en haut, al meilleur, imagine toi mon frère, meilleur ce qui mélodie ce qui nini voilà. Et puis, mouta pe sur mon ami, maison de production, elle wa yo, elle wa nan produit vidéo nan a oyo, nan mi pe singa mon trophée nan lobi, non, vidéo nan a meilleure vidéo le ki a batu nyo sur la mokilio. Mais d'abord, qui boko le? Continue. Oui. C'est quoi? Mais, si moi, il faut, c'est Wenge, moi, c'est gars. Voilà. Bon, tu vas même le couteau dans la musique. Oui, et puis, moi je te dis que les filles comme on laisse, ils peuvent évoluer dans la montée. Pour la blague à Kiboko. Mais même pas. Les filles congolais, les filles congolais, et comme ça, donc, ils peuvent évoluer, mais ils peuvent évoluer, mais ils comme on laisse, tu vois. Pourquoi? Parce que moi je me souviens, les tas, ils ne disaient rien à eux, on sait, bah, tu vois, on est venu à la. Banane pas cohérente. Mais ils ont d'abord reçu entre Woutine et Marakiri. Média et Retisaki. Maman Balé, ma grande chanteuse, maman Kouba, maman Afroa, maman Kouba, maman Kouba, maman Kouba, maman Kouba, maman Kouba, tout ça. Alors, on sait ce qu'on a dans Rihanna, quand maman est comme média, ce qu'on a mis ça, maman Yango, maman Kouba, 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 maman Ti babo, mayam, et souka bongo. Souka la pisa bongo, et n'a même pas na makolo, n'a même pas na moutou, rivalité à faire et na Fali. Voilà! Fali, c'est quelqu'un, bon, parce que j'ai suivi, maman, quand il dit, mon gobat, bâti, moi, titre, mon gobouye, par exemple, par effet, et pour la tournée américaine. Donc, on veut dire que non, comme tu as dit, tu vis à l'ombre d'une autre personne. Ah non. Mais tu sais, cet artiste-là, pour te dire, tu sais, cet artiste-là n'a jamais, depuis Abanda Carrière, n'a eu vie, il n'a jamais voyagé pour les États-Unis. Non, parce que, il y a ce qu'on bat, la même minute que vous m'astor, je dis la vérité, il y a des gens qui se lèvent, il y en a qui n'ont pas, tu vois, moyen, par rapport à donc, il y a, tu as fallu la faire, la moine, noana, tu vois, parce que les gens vont le faire. Dans les États-Unis, tout ça. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi c'est cette rivalité? Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça. C'est naturel. Trophée, c'est naturel. La date, c'est naturel. Bon, ok,
ce qui bon pongo fait avec la biso Bercy, avec la biso Nini ba Polo, avec la biso Basal Basal, avec la stade Martin. Oui, c'est ça, parce que il commis à son âge aussi, hein, normalement il commis maintenant de soba. C'est ce que nous on a toujours dit. Nous, on a toujours dit, si on a un artiste le plus stupide de notre pays, c'est ce mec-là. Il est tellement naïf, il est tellement idiot, où on lui met dans des bêtises que l'artiste est en train d'accepter. C'est incroyable, mon frère. Fally n'acceptera jamais des bêtises pareilles. Yo, pense à Fally, trop fait kiboko, là, Zwango. Il n'a même pas publié à Frima Award. Est-ce que ta vie, Fally, publier à Frima Award na Facebook, ton Instagram, non? Même pas. À son tabac niveau. À son tabac niveau, il n'a plus le temps là. Les affirmants en ablo amiqué, fallait en raisonner Grammy, en raisonner non BT. En raisonner disque d'or, le disque d'or, comme ils ont mouqué à Fally. Est-ce que tu as vu même Fally publier les disques d'or sur Instagram? Non! Même pas. Même donc, pour l'exemple, la carrière n'a pas de trois à frapper fort. Alors, tu as la musique, tu as la musique, tu as la poto, tu as la musique, tu as la année prochaine. C'est toi qui avais dit que non, apparemment, quand tu avais le bain, tu allais dans ce niveau. Alors, tu as dit que tu avais le bain, tu allais salité, salité, tu allais le bain, 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 tu allais le bain. Non, je sais. Non, je sais, présent, tu sais, non, mais sur l'album est bimé. Oui, mais il fallait, à comment on souffre, j'en ai son déco. Il commence même à souffrir pour trouver une date de mettre la sortie de son album. C'est devenu tellement bizarre de voir une personne comme Kofi à son âge. Fally sort l'album, met la date de 2 décembre, lui, il met le 26 novembre. Est-ce que c'est normal ça? Et comme il. Donc, avant tout à l'heure, maintenant, si qu'on laisse les commis, ouais, parce que c'est comme si que. Donc, attends, oui, on comprend que oui, Fally, à ce qu'on est intimement à côté là. Comme on a un ami qui m'a payé, mais non, moi personnellement, j'arrive pas à comprendre. Quelqu'un met la date du 2 décembre, yo, tu as le 26 novembre, c'est quoi ça? Si qu'on fallait pas l'omolini, fallait l'omolini dans les deux, dans les neuf, donc il y a pas de souci. Bah, bimisa, ton petit cabinet, bimisa. Non, on peut pousser l'album. Fally restera Fally, il fera la tournée, il fera des choses. Oh, mais on s'en va, papa. Mais vous avez information, vous tout l'ambassade. Non, vous avez peut-être l'ambassade dans le jour où vous avez éclairci, vous êtes en live. Tu as dit, est-ce qu'on dit comme si Nini Congolaise, s'il n'y avait pas si a moyen, même, attends, pour une année, deux ans, à quel état les États-Unis avant. Non, avant d'aller en France, il fallait abattre toi, t'as-tu les lots, avant d'aller en Congo, na binote, avant d'aller en France, en famille, Kuna, à Salamoussa, il fallait toujours au studio. Hein. Moi, j'étais là-bas, chaque jour, il fallait pour péter au studio. Il travaille tellement dur, ces gars. Il est là, il écrit des chansons, il fait des choses. Mais quand les pays lui appellent pour des prestations, tu vas stade, bani, il vient vous rendre service à Kena Lubumbashi, à Betty, à Sepeli, si battu, puis il part. Mais Fally, même s'il vit aux États-Unis, il sera toujours collé par des artistes comme ça. Ils sont habitués de vivre à l'ombre de l'artiste, monsieur Fally. On voit des nouveaux fous comme des dépliques venir à la télé insulter Fally et insulter des choses graves. Acquiser une. Voilà des fous comme des types là, et puis on voit des fous comme des cellules. Il y a plusieurs malades. Tout le monde n'a robin au monde, vous parlez au Kena, moi zigzag. Malgré sa petite habitude, surtout aux élis là, épais. Ça fait pitié, hein? Bah, tu as changé ma loba naïa.
Tango va jouer à commis ma titre à l'hôpital, tout va champion en blanc à l'andarote. Voilà, merci. Tout continuer dans la live, n'a expliqué ce que tu as. Appelle peu Moussouzou Kouta. Merci pour l'intervention. Merci, toi, Mbabatou Moussouzou. Attendez. Nous allons prendre la personne qui a appelé. Excusez-moi, on a été en appel. On verra la réaction des gens. On va lui rappeler. Voilà, appelez, nous allons vous prendre live, on était en appel, donc c'est comme ça, c'est toujours comme ça qu'on a deux appels, on ne peut pas répondre à tout le monde. Voilà, je vais m'expliquer. Les Warriors, on a des choses à comprendre. Des choses qu'on a à comprendre, c'est quoi? On n'a pas droit à avoir peur de quelqu'un. Nous taperons tout le monde comme Mbassi l'est fait, comme Ginolea qui l'est fait. Cette fois-ci, on est engagé à la guerre. Nous allons taper tout le monde. Pourquoi on doit taper maintenant? Parce que c'est le moment de frapper. Ce qu'on en avait besoin, on a réussi, on a eu. On a fait les stades de martyrs, on a fait les disques d'or certifiés par le SNEP. On a tout gagné. Maintenant, on a des choses. On a des capacités, on a des choses à nous vanter, à parler. C'est tout le monde qui touchera à Fally, c'est lui-là sera frappé. Si on trouve que c'est le moment de lui frapper. Félicitations à toi, Ambassie les Bourgeois, pour dire que non, depuis la musique congolaise a commencé, depuis les Wendo jusqu'à notre petit ici, Inos, Fally est au-dessus de tout le monde. On va prendre la personne. Je crois que cette dame déjà bien. Allô? Bonsoir, ça Bonsoir. va? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va, merci. Moi, ma grippe est dérangée du sommeil, ça va, ça qui va me faire la binga. Ah, puis votre babé, la belle Ah affaire. oui, c'est ça. N'a pas nous capoué. Ceux qui n'étaient toujours des mamans polémiques et artistes congolais, le bar à Lingala, tu vois. Ah ouais, aux Ouais, arrêts. tout Ah, au premier. ça, ouais, c'est ça. Parce On a que moi, j'adore compris. ça, Qui est hein. une étape pour cela, comme Tu j'ai compris. comprends? Qui est une étape pour cela. Voilà. On comprend, hein? Ouais, Les on mamans continue. sont On a chanteurs et commis. artistes. Ok, français. Et on voit quand même la loca. Faut t'amener. Parce que nous avons besoin de tes capables sans les savoir. Parce que moi, vu comment ça m'a payé, il y a ma baisse à la terre. On a mis ça au vide en marketing. Donc, On peut on bien, voit on ma peut. photo qui voit On là, a les commis déjà, appareils on a qui sont dans commis. la photo. Ok. Voilà, donc c'est ça. Et d'abord, une des choses pour s'envoyer un lien pour nous recommander, Nini. Mais album, on Donc, dirait du voici maïs les 16. sous. Album, et Les album, mal 16. les Les mal 16. 16, Fink, sont toujours publiés. Oui, les 16. Non, plus bien, non. Fink. Things, nana. Petra va plus bien, moi. Attends, je vois. Ma petite Fins n'a pas page n'a plus sur test aux abonnés mieux sur Naïbi, Instagram. Naïbi, Moutassa, elle a pas, j'en ai bien. Naïbi, tu penses à l'attente. Bon ben mon ma petite. Naïbi, Massa, Bon ah, ben Massa, mon la gala, mec, cabot. Naïbi, bien, Azana, ma Canada. petite pony. Est-ce que bon bazar a posé pas de bon bazar bas bas et bas l'été bas le bazar bas et donc du coup ça n'a A laissé plus commis, pour un formé moment un 7, moment a pour lui. commis, sorti de 3 albums. Les CD au. Ma date, ça t'est pas? Mais sûr que tu n'as pas l'application des dates à les 16. Ma publication? Oui, ouais, date à les 16 décembre. Non, tout n'a émo. Non, comme elle a émo. Pour n'a moins ce Et qu'autour. sont qui tiennent Zana, la tout page n'a. de Est-ce qu'il Instagram, est là? et à N'a les pas déjà 16, ils fallu, disent toi la n'a date pas à les jalan. 16. Zana, comme elle est, mon Et la fallu. page à Sphinx, vraiment. N'a Instagram. Zana, comme elle est, mon. Instagram, Facebook, sont qui tiennent la publication, ils avaient bien la sont qui tiennent au courant la publication, ils avaient date à les 16. Zela, zela, pourquoi t'as tout? Zana, comme elle est, comme ça, c'est la réponse, n'aille. Parce que la tine de la guerre, petit à l'obac qui fasse sa future, n'a pas Tout ce qu'on le battait avant dans
États-Unis, avant dans le Canada, parce que bah, tu peux savoir de la vie. Il y a déjà un compte, il y a quand même. Pour ça, la promotion pour nous. Mais c'est ça, on fait live avant de la non, il y a déjà un compte, il y a un compte, tu vois. Donc, il faut garder à moi, bah, bah, secret privé, les bien. Il y a un compte, il y a un état, juste une page, il y a un compte pour ça là-bas. Voilà. On verra parce que on a eu Ambassy, on a parlé avec Ambassy. Ambassy lui-même ne veut pas confirmer la date, ne veut rien dire. Il dit que ça sera communiqué. Non, parce qu'on va toujours confondre Ambassy. Azaji, c'est artiste. Ça va aller. Bon, moi, je ne vais pas dire des dates où on ne m'a pas confirmé directement. Voilà. Connexion, les hommes en Bénin, ça va tout bien. Attends, qu'est-ce qui s'est passé avec la connexion aujourd'hui? Voilà, on a un problème de connexion. À ce qui concerne l'album Formule 7, c'est pour décembre toujours. Donc, si vous ne savez pas, l'album Formule 7, c'est déjà en précommande. L'édition est en CD. Donc, il fallait mettre ça, album avec CD en téléchargement. Nous allons vous dire, voilà, on va prendre l'appel. Je voulais prendre la dame, mais la connexion n'est pas bonne. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. La dame disait des choses bien. Alors, on va attendre la réponse de lui-même, l'artiste. Si réellement, pour vous confirmer la date de la sortie. Voilà, il y a quelqu'un qui a appelé depuis la France. On va lui reprendre. Donc, j'aime pas comme ça, et là, donc on a besoin de parler. Voilà. Voilà, la personne s'il est capable. Bien, on écoute aux oreilles sur ma live. Voilà. Ce que je disais, l'album Formule 7 est un album très bien fait qui a 3 CD. Donc, on sort 3 albums directement avec 30 chansons. Il y a un CD qui contient 11 chansons. Voilà, les États-Unis appellent. Nous tournons à Benatin. Allô? Allô? Ouais, vous nous appelez allô? Depuis. Voilà, vous nous appelez depuis où? Présentez-vous. Moi, c'est Fred. J'appelle depuis les États-Unis. Donc. Vos réactions? J'ai regardé le live. J'ai vu ce qui se passe vers l'émission congolaise. Personnellement, moi, je suis congolais, mais je ne suis pas né au Congo, mais je regarde les histoires qui passent au Congo et c'est triste. Et par exemple, nous en Angola, quand on dit que Fally va venir, c'est la gloire, c'est la fête, mais quand je regarde la manière dont les Congolais traitent Fally, c'est déployable. Après, il faut aussi dire que les Congolais de nature, on est des écrits, on est des jaloux. Mm-hmm. Moi, je croyais que ça serait mieux si tous les pays venaient ensemble. On peut même voir ça, même les politiciens, ils ne sont pas là pour les musiciens. Pourquoi? Parce que Fally n'est pas Moulouba, mais cela, c'est un Moulouba qui est au pouvoir. Tu vois? C'est le tribalisme qui joue aussi en place. Les gens savent, moi je crois seulement que I think you want me to speak English. Like, you can say in English if you want, so I can translate for them. Yeah. If it's easy for you, if it's easy for you in English, if you can speak in French, you can say in French. If it is in English, you can speak in English, so I will translate for them when we finish to talk. It's for you to choose. Okay. Okay, so instead, me personally, where I am, I meet with a lot of people, you know, mm-hmm. Especially singers. So I have Nigerian friends, and every time they ask me where I'm from, if I say I'm from Angola, they're like, "Yeah, cool, that's fine." But if I say that, like, "Oh, I'm from Angola, but I have Congolese roots," like mm-hmm. they always mention about Fally Ipupa, and yeah. The day that I met Fally Ipupa in a concert in New York, my friend, the outside, like, "Oh, you have Fally Ipupa? You know Fally Ipupa? You have Fally Ipupa number?" I was like, I don't have Fally Ipupa number, but I have Ambassy, who's his singer. But what I want to say is, the problem with the Congolese people, we should never, never follow the Congolese people. I'm always going to be like,
But the bad thing is, I always give the example of like DJ Arafat. Yeah. I always told them, so bro, I always told them, if now other course they don't talk about the music because DJ Arafat is not there. DJ Arafat is dead. He's dead, and like he's not there anymore. Like they don't have anybody. You can go to the TikTok, you see their music. It's like there's not a leader. Yeah. If Congo today they lose somebody like Fally Ipupa, even Kofi Olomide, even everybody who says whatever they say, they'll disappear. Yeah. This is one thing everybody needs to point into account. You know, because I recently was with one of my friends. He took me to Whiskey's, Mel Whiskey. Yeah. They were talking about Fally Ipupa. Whiskey was talking about Fally Ipupa, Not Whiskey, but like people of his entourage. Uh-huh. Like they were like, oh, because I said like, we were talking about music and they're like, oh, Congo, like Fally Ipupa. It's always about Fally Ipupa. Yeah. Because Whiskey calls himself ego too, you know? Yeah. So I think when they were here, So you know what is the problem? The way we are always talk, it's if we don't follow them, if we don't talk about them, so those people that we just talking line about Fally Ipupa. So we have to show them a line and we have to talk about that. If you don't talk, it's like you. If somebody is speaking bad to you and you don't respond, you don't talk about it, people that will think it's like that. Because for them, when they go to the TV, they show people line things. Like today, what's happening? They give to those people, they give to those guys some CD, I don't know. They used to line people on the internet like the guy took something big. But they forget, the guy took it to his production. I'll tell you this, man. Yeah. I understand everything, but like, I'll tell you this. In Congo, they never had a singer like Fally. I know that. From Congo, they are outliers. Yeah. You know what I'm saying? Yeah, like, that's true. Growing up, when I was in Angola before I came in the United States, because I came here when I was like 14, I think. We used to hear things about the Congolese musicians, but it wasn't nothing was true. Especially when you start entering into the technology world, you start seeing the things we were way far behind. You know what I'm saying? Mm. But every time somebody like Fally Ipupa showed up, I'll tell you this: me, a lot of people in the world will respect you just because you speak. That's true. You know what I'm saying? This is one thing. That's what I'm saying is, Fally in Congo, they never ever had a singer like him. Everybody that's there talking, saying whatever, they don't know what they're doing. Because I'll tell you this, if they give them the stuff that Fally Ipupa does, I'm pretty sure. Bro, I think they know. Bro, we are making some mistake. I think they know that. But they are just trying to line people, to show people like Fally Ipupa is nothing, like they are big, like they are making. So they know the power of Fally Ipupa. Why I say that? If Fally Ipupa just talked about someone of them a good, they come to the TV, they say, oh, Fally say this for me, Fally say this for me. They want to be with him. It's for Fally Ipupa to choose who he's going to be with. You understand now? They know that. They're just trying to line and to line themselves. What I'm saying, I was 2 years, couple years ago, I was with David, right? And he himself, he said, oh, Congo, for the country of legend, Fally Ipupa. Yeah. I'm like, is that thing what I'm saying is, we should never put Fally Ipupa on the same level as everybody else. That's true, bro. There's nobody there that's on the same level. That's true. Thank you I was on this concert in New York, and I saw with my own eyes. Yeah. I saw how people from Ivory Coast, people from every Guinea, everywhere, they were like coming in just to see that guy. Like I was in Angola, right? Yeah. No Angolan singer can do what he does. It's not that like true, bro. Like, thank you for your call. Yeah. We could have like people who speak Portuguese. They'll go to like Portuguese speaker. Like we call them lusophone, like lusophone. People that speak Portuguese going to the concert, people speak Portuguese, but it's not like Fally Ipupa where you have people speak Portuguese, people speak French, people speak English. Like, he's a big community guy, you know what I'm saying? He brings the whole community together. It's just like Burna Boy, like Wizkid. Yeah. I told them, Fally Ipupa, thank you, bro, for your call. Thank you for your call. You speak everything true. I have to translate for them because people, they don't understand that much English, so I have to translate. Thank you for your call. So you have to listen to, and follow the live. Every day we are talking about
everything about Falipo. Thank you for your call. I appreciate it. Thank you, bro. So, le gars a dit, je vais translater vite fait. Le gars a dit, en RDC, on n'a jamais eu un artiste comme Falipupa. Le gars a dit, il a été au concert de Falipupa aux États-Unis. Les Nigériens, les Gabonais, les Ivoiriens, les Guinéens sont partis voir Falipupa. Il a dit, quand on lui pose la question, tu es de quelle nationalité? Parce que c'est un Africain qui vit aux États-Unis. Quand il dit les Angolais, les gens disent OK. Mais quand il dit les Congolais, on lui respecte à cause des Fali aux États-Unis. Il a dit, il a rencontré l'entourage de Davido, l'entourage de Wizkid. Mais tous les gens là, quand c'est la RDC, et ils parlent toujours de l'artiste musicien Falipupa. Il a encore dit, en RDC, on n'a jamais eu un artiste comme Fali. Est-ce que vous écoutez? Ça, c'est une personne des États-Unis. On a parlé en anglais parce que pour lui, c'était facile de parler en anglais et moi de vous translater. Est-ce que vous regardez la capacité d'un artiste qu'on a aujourd'hui au pays? Est-ce que nous-mêmes, comme des Congolais, on peut savoir à quel genre d'artiste on a au pays? Pour vous dire, j'ai posé la question à Fali en direct. Si l'album Formule 7 sort quand? Il m'a répondu. Nous allons le savoir dans 3 jours. Donc, la date officielle de la sortie de cet album Formule 7, nous allons le connaître dans 3 jours. Ça, c'est la réponse de lui-même, Fali Ipupa. Je lui ai posé la question en direct parce que je lui ai dit, voilà, il y a la réponse là-bas. La date dans 3 jours. Voilà. L'artiste musicien lui-même, il a confirmé que non, la date, nous allons le savoir dans 3 jours. Donc, et vos apaisements. Formule 7, la promotion va se faire, tout ça, promotion de Ngesengeli. Mais on ne va pas faire la promotion en désordre. On doit faire une promotion cadrée. On doit faire une promotion propre. Avec des énormes internationales, avec l'aval de lui-même, l'artiste musicien Falipupa, et des vraies informations. Voilà, la dame qui avait appelé de la France, j'attendais la réponse de mon patron, lui-même l'a dit, l'album sera, nous allons connaître, donc la date sera vraiment confirmée dans 3 jours. Comme Fali a dit, on va respecter ses durs, on doit respecter ses paroles, et le président Fali, bonsoir à toi encore, à vous, je m'excuse. Et nous allons prendre l'appel des gens. On était saturés. Il y a une personne de l'enfance qui voulait parler. Je m'excuse parce qu'on donne la parole à tout le monde. Si on passe d'autres personnes, c'est parce qu'on était en communication. Voilà, je ne sais même pas, on a déjà 43 minutes. Je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire, je crois. Voilà, on va dire ce qu'on voulait dire. Donc, on va regarder la dame ici parce qu'elle voulait encore appeler. Et puis, on va dire ce qu'on voulait dire pour que live ici, la ténale, on va aider dans le matin. Voilà, il y a mon moni à répondre que non. Ouais, bon, moi, quand j'ai fait la promotion des choses, dans la ténale, ça m'a vite fait, puis il m'a sonné. Dans la tounaka, il m'a l'objet dans 3 jours, trouvé ma date. Quand est-ce qu'il va fixer, il m'a publié un mot. Ce qui m'a mis la page, il y a Facebook. On est ce qui va changer. La date va changer, ce n'est plus les 2, ce n'est plus les 9. Mais tu es dans 3 jours, comme il a dit. Donc, il y a ta parole. Dans 3 jours, tu es dans la live, tu es informé dans 3 jours. Mais l'album, il va se répéter en décembre. Le problème, ce n'est pas même lui. Le problème, c'est que tu as même ma polémique. Je suis en Congo, je suis en Bablo, je suis en Rwanda pour ématiser l'album. Est-ce que tu as fait un Congo, tu as fait un Congo? Mais yo, le coup, comment je suis 100% artiste,
voilà, dans mon cas, là, moi, là, on est responsable, moi, je suis responsable. Donc, du coup, tout le temps, je vais vous dire que mon fils est dans la Mais sinon, dans mon cas, je vais vous polémique, en tout cas, là, non, mon amour, là, je vais vous Est-ce que vous avez besoin de vous polémique, ça, là, oui, non, non, là, je vais vous dire que ma soeur, on est promotion, donc, voilà, on est italien, et si ma soeur, on a bien, on va y avoir. Voilà, mais bisous, maintenant, les problèmes. Voilà. Les Bisoto Tchafali, le problème est à quoi? Da, le problème est à quoi, n'expliquez pas. Ils ont expliqué au cas leur mort. Le problème. Naebi, le problème est Isanin. Na Congo Bisoto Tchafali na place nae. Mais. Oyo tobenga ka contre marketing au bateau à foutre à bateau internet, mbongo pour basala. Yango ne. Oui, ils ont communautaire, mais ils ont communautaire, oui. Mais ceux qui n'ont pas de ils ont communautaire. Kasiana zoe bisayo, soki to telema la ki angote, li lo nga ko bimake, non fale a boma batu na stade de martyr. Eza ko touche, te li ke za grave, wana se normal, fote te mabiso nyo so to telema. Me makambo nyo so batu ana bazo sala, e afektaka. Album ya kafu kafu zoya et puis on a écho à la pa album n'est à souka ya rumba à kei par mois tu n'as la photo Il faut tirer la main par photo et à babou wana. Tout ce qu'elle a pas peine à 12 000 ventes si je me trompe pas. Ben voilà tu vois. Ouais. Là non là ton matin tu sais qu'elle a 15 000 streaming parce qu'on a 60 000 déjà parce que ça 75 000 pour la disque d'or. Disque d'or ils ont 50 000 albums vendus. Ils ont bien vendu non pas streaming au niveau streaming. Mais bon, voilà, il y a eu problème, les amis. Problème, les amis, c'est que le problème, moi, ma casse, c'est ce que ceux qui te reconnaissent au niveau 1, les amis. Il y a l'album qui arrive. Attention, il faut préparer l'argent pour l'album qui arrive. Oui, la salle qui précommande, la zombie n'a priorisé la formule C. Au zombie WAP, il faut expliquer votre bail. Au zombie WAP. Non, là-bas, dans la France, la zombie n'a la FNAC. Voilà, FNAC France. Pour compter pour la disque, il faut FNAC France. Ou soit tu es téléchargé, oui, ou en a, voilà. Ouais, bah toi avant d'aller en étranger, bah routine de la bino pembongo. Bah toi avant d'aller en étranger, bah routine de la bino pembongo. Ma famille, ta zan, ta bosse, ta maman, ta groupe, ta maman, Voilà, quand ça sera le moment opportun. Moi, ce que le problème est quoi? Moi, avec Fali. Voilà, Nana Fali. Oui, Nana, on comprend le souci. Non, t'as cause d'être aux anabis au disque d'or. Mais tu sais, le problème est quoi? Il faut 15 millions de streams, voilà. Ouais, équivalent en France. Donc,
Ouais, ça a la platine, ouais. Et déjà, la platine a 2023 kWh. Donc, du coup, tu connais ce qu'on s'attardait, tes bateaux, bas on n'a pas côté, mais la fille, c'est la bisso. Et ça, la bisso, tu le la rabamou, tu le fous, la bande, la chaîne, la bisso. Tu connais ça, le quoi, bamou, tu bon, baba, zo, bac. Donc, tu connais ça dans mon tamaï, la gola, dans le gemme, en bas. Yo, les tifs, dans le tamaï, bon, on est qui, artiste, en boucle, dans le tamaï. Ouais, ça, c'est con. C'est le mot, on est qui, dans le tamaï. Oui, mais que bien, artiste, en boucle, zo, bien, bel artiste, n'a bisso, quoi, ça, les gens, il y a sa fête, pour bisso, tu le bilan. Donc, ce qu'on bisso, donc, c'est que y a artiste, en boucle, comme les gars, bisso, baba, on a maïle. Jamais. Biso, biso, mais les problèmes, oui, biso, problème, il y a. Par le snap. Donc, comme on a des disques donc certifiés par le snap. Donc, comme on a un disque de platine certifié par le snap. Et si on vraiment, nous en attendons, il y a un peu de temps, je ne suis pas d'accord avec ma soeur. L'imbissant a vraiment, nous en avons belé à ça là. On a bien appris, on a parlé de ça. Ah, ma soeur, tu vas bien, ça la boue et tout ça. Vous achetez une mobandie depuis Gala. Donc, il faut vraiment nous en avoir un peu exemplaire. Balien, balien biso tochaka, biso biso balien tochaka selon yé moko artiste. Ngana, moi je ne fais rien sans l'accord. Voilà. Mais et qu'on la nango partout, mais net badat. Net badat. Bino boko chande nga bolingi, bino boko chande nga bolingi et puis badat boko sa nga bolingi. Parce voilà, tu viens d'appeler. Ouais. Bango bako sa nga bolingi. Bango bako sa nga. Oui, Balien et Chamaka. Oui, Balien et Chama. Balien et Chama. Oui, tout ça, on fait ça. Les liens, il y a l'album, il y a l'anime. Mais ma précision, il y a la date. Moi, je ne fais pas ça en désordre. Dans trois jours, il y a mon quoi informé. Bon, mon on a Instagram, bon, mon on a Facebook, il peut même faire des émissions. Voilà. Voilà. Donc du coup c'est tout ça la toko et pas bonne pas parce que ma collègue qui sont maïli. Voilà, merci pour l'appel na auto zobatu mususu. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci, on va prendre d'autres personnes. Moi je m'excuse si on prend pas tout le monde, c'est parce que on est en communication. On ne peut pas prendre tout le monde. Voilà, on va expliquer des choses vite fait parce qu'on va bientôt finir. Je crois mon idée même n'a bimi si on te appelle les autres côtés belé belé, je sais pas où est-ce qu'on est. Et tant qu'on a c'est sur un avion, la même personne, on va prendre la personne de Brazzaville, elle va appeler. Voilà, mon temps Cathy, on va laisser. Voilà, on va parler vite fait des choses parce qu'on a à peu près 7 minutes pour finir le live. Donc, à ce qui concerne l'album Formule 7, la communication de la date officielle sera faite par lui-même, l'artiste musicien. Il m'a dit dans 3 jours. Donc, dans 3 jours, il va communiquer la date sur son Instagram et Facebook. Et c'est en ce moment qu'on va commencer avec la promotion de cet album. La deuxième des choses, nous allons parler des récompenses. Comme j'ai fait le sommaire de mon émission, Fally Ipupa, quand il est récompensé par son travail, son savoir-faire. En ce moment, il est récompensé. Si on regarde par exemple les disques d'or, Fally Ipupa a obtenu un disque d'or certifié par les Snap. Donc, Snap France a comptabilisé ses ventes. Voilà, tout appel à moto. Je ne sais même pas comment parler, c'est aujourd'hui. Allô? Allô, bonsoir, bonsoir, ma soeur. Bonsoir, vous nous appelez depuis où? Présentez-vous. Oui, oui, moi je suis Bill, je m'appelle Billy. Je vous appelle depuis l'Angola. Voilà. Je suis en Angola.
La réaction sur la Je mission? suis en train de. Oui, la mission, ça se passe très bien. Bon, je viens à peine de me connecter, Voilà. mais j'ai suivi une ou deux personnes et j'ai quand même l'idée de ce qui se passe, de ce que vous êtes en train de dire. Le thème, quoi. Voilà. Ah, donc, pour continuer, j'ai écouté la dame qui vient de dire aussi que il faut pas que nous puissions nous attarder avec l'affaire et l'artiste Mboka, tout qui peut bien madame Naïté, parce qu'il faut tous avoir focus. Je pense qu'elle a raison, bien que oh, l'initiative n'a pas besoin d'habiter parce que les accords cadrage pour un bateau. Au bazar, peut-être surtout au niveau communautaire, au bazar, peut-être embrouillé. Namakamo, l'artiste en Mboka, tout ça, là, Mandanzanaï, on les a même pas la sauf. Voilà. On a peut-être. Pour faire comprendre, bah, en tout cas, on est de l'autre côté. Donc, Azodine de la Raka, comme tout le monde le sait, Voilà, la bien dit. superstar, la légende, l'icône monnaie, l'artiste international, Fally Ipupa. Namakamo. Titre trouver individuel, il faut le faire. Donc c'est vraiment un artiste à féliciter et c'est vraiment un artiste à soutenir. À ne pas C'est comparer, voilà, merci pour ton appel, non, okay. À ne pas comparer des vraies choses et les choses, il y a l'okuta, parce que sur Internet aujourd'hui, bon, en photo, fallait à disque d'or, il y a vrai, bon, tu en as un kibokolo. C'est ce que moi je voulais faire et montrer aux gens que non, l'artiste Fally a reçu ce qui est certifié par les Snap en méritant avec son album et non mélanger les Ok. torchons avec les serviettes. Allez-y, mon frère. Certes, vraiment, certes. Ok. Hein, donc, le vrai réalisation, Oyo, artiste Yamoukoundé, le superstar, Yaoutou Kouzoua certifié, Oyo, on est content à la communauté depuis que le Congo est indépendant, s'il vous Voilà. plaît. Hein? Organi Niwana, Organigramme, on est Snap. Et certifié à Batou. Il y en a plus de 100 ans, tantôt, on a fêté centenaire à Bangou. Hein, et Fally Ipupa, c'est le premier artiste congolais résident au Congo. A outil qu'on décrochait. Donc, les Aélo, Koyako, Osangisango, Nablo Tina, la Akibokolo. frontière, Voilà. Biloka Gibokolo, donc, vraiment, c'est l'image de ses adeptes, ses fans. Elle a tellement idiot à un niveau moral impossible. Donc, je ne sais même pas, mais non, qualifié artiste, voilà. Voilà. Vraiment, on est là souvent, et vraiment, tu soutiens l'artiste, ça va bien, mission très bien, et nous, comme vous voyez, nous sommes là pour aider, petite possibilité, ça dépend, dépendant, il y a Moutou, pour nous soutenir l'artiste, pour nous. Qu'on construit ma cahier, pour n'avoir cahier, pour qu'on télécharge chacun, ça dépend, il y a chacune de nous, n'engue, hasard, aux yeux d'avoir moyen. Vraiment, Mais c'est un peu idée à qu'on recadrer compliqué. Batou. Pour comprendre que yo comme un niveau à l'écolo, idée à qu'on recadrer Batou. Comme il ça l'écouter à ba musicien, musuna à Batou mususu en étant le même chose, ba tu en a besoin ba l'écouter na ba besoin na on peut pas comparer kana fali. Est-ce que vous trouvez idée émission na nga ya o et comme il y a ba live bino bobe nga pe ocha ba réaction et puis na recadrer Batou. Et ça m'a bête et ça bien. Surtout dans le Tango, artiste Fally Ipupa, autour de 12e, je pense, 12e Afrima. Oui. Et je pense que ça va saler stratégie. Parce que les petits artistes, on a besoin d'actualité à Tamaroté. Prison, Aïe, Azongi, tout ça. Et comprendre que Fally, encore une fois de plus, a juste ce logo. Donc, tellement. Et cela, on a tata Koufa dans l'initiative, c'est bien parce que niveau communautaire, tout ça, tout est basé sur la capacité intellectuelle et coefficient intellectuel. Voilà, et surtout de faire des recherches, baye bama solo. Vraiment, vraiment. Voilà. Et il y a certaines personnes, oh yo, baroko, baroko,
fait, il y a confusion, on est au Kansaké, et donc on a peut-être présenté disque d'or, mais le Comoro, pour peut-être on s'est rapproché la vraie disque d'or, or que ça n'a rien à voir. Voilà, tu as bien dit, c'est rap. En tout cas, c'est pas le langage, c'est rapprocher la disque d'or. Donc, okay. Là, voilà, merci. Oui. Donc, parce que nous avons pas dupé communauté, ma communauté au bazar, non avertie, on va duper Bango de manière que sa artiste n'ait moins une certaine importance, comme si il n'y ait pas de crochet, mais l'autre, comme si, or, à ce ça n'a rien, il ne voilà. Fait rien. L'homme ne fait que vivre des actualités, des legs, ne fait que dépendre toute sa vie, na lumière, où il y a une grande lumière, où il a fallu, et il y a ce cas de lumière, voilà, et puis c'est moi, une certaine éclairage, mais à ça, moi, ma réalisation là. Parce qu'il y a ma faute de bas, il y a ma palais du peuple, esplanade, il y a des combattants, mais moi, je n'ai pas de faire raisonnable. Et celui qui a des combattants, bon, artiste Stéphanie, combien de stade de martyrs à Béti, combien des attaques à suite, tout le monde, même ma vidéo, ma blague, ma machette, ma soupe, menacer, ma tête, tout le monde, ma Charlie Prince, ma bimisi, ma nganga, ma prophète, ma bimisi, ma loup, ma non, conserve vos alatés, ma coufre, ainsi de suite. Mais Béti conserve. Mais à qui n'a la TVT, à qui n'a qu'on se pleure de chez Abana Oléla. Artiste Malala Kaka, donc, à sa mental, il est tellement faible, un homme complètement bourrique, hein, et puis il a complètement moutoumou, vous n'êtes sur un mêlé à l'huile au et donc, cause à la quoi, pour y faire la malédiction. C'est quelqu'un qui fait la honte de la musique, il fallait, au contraire, c'est quelqu'un qui fait réellement beaucoup d'honneur. Je pense que, et ça, la moutoumou, c'est tombé la drapeau, il y a Congo. S'il vous plaît, de ma part, dans mon monde. À part Lumumba, on peut enlever seulement Lumumba. À part Lumumba, nous avons musicalement. Ah, ouais. Nous avons mélangé, musicalement, il n'y a pas quelqu'un qui a hissé le drapeau congolais plus haut que Fali. Il n'y a personne, hein. Même tout le monde n'est pas politicien. Surtout l'on dit Lumumba, il n'y a personne. Tout le monde n'est pas un Congolais seulement. Il n'y a personne. Il n'y a personne, mon frère. Surtout le côté du monde, personne. Oui. Il n'y a personne. Il n'y a personne. À part le Congo. Le Congo, c'est un cas autre qui n'est pas mondial. Toujours gagné. Mais là, on a nous compté le sous. Tout le monde a un individu. Tout le monde a un individu. Le foot. Depuis le Mumba, il n'y a personne. À part le Mumba, il n'y a personne. Donc, c'est le Mumba et Fali. Voilà. Il n'y a personne. Voilà. Pour y en Angola, vous ne pouvez pas aller pour les 26. Oui. Nous sommes en Angola. Ah, vraiment. Il y a toute une équipe, bien que dernièrement, il y a eu un barbecue, moi j'ai réalisé, Isaki n'a Kassenda, moi je n'étais pas là, Isaki a Mounene, et ça y a fan club, fan base, donc mais ça a vraiment préparé, mais c'est quand même un hasard, vraiment, on a venu vraiment dans le centre ville D, mais un hasard n'a pas de quartier, combien on a qui n'est pas IPN, il y a Luanda. Yayaki, j'ai aussi mes amis, certaines collègues, Obalinga Fali a tellement de adeptes ici, des fans. Donc, Stade Douana est équivalent à 16 000 places. Parce que dans la place, il y a 50, il y a 60, 50 ou 60 000, mais Stade Douana, Kalango Paleta, ou aussi de la Fou Falarabeta. Mais est-ce que au fond de la place, il y a son nom, tout va partir au fond de la place? Le rôle où on est en réhabilitation, le rôle à stade du Vema, Citadelle, où il y a 50 000 places, le rôle à Eza, moyen, utilisant aux athées. Donc, à Pessi Bissot, à Pessi Fali, il y a 16 000 places, où il y a Chicoqueo. Ça, c'est un sable mosaïque à 15 à 16 000 places, mais c'est quand on rétablit ça tellement mon pied pour le niveau où il y a, parce qu'il attend déjà tellement ma. Cassi, il y a tout le fan de Fali Bazan mobilisé de part, parce que loin d'être coupé, les amounéné, de part, tenions sur Bakouana Bango, Bazan bus, Bazan voiture, Bazan polo, tout ça. J'espère que ceux qui m'ont beaucoup plus proche, eux, tu as déjà le 21, peut-être moi, l'image, je me suis sur le bus au coton, on a revoit qu'il y a eu. Voilà. Comment on a commandé, qu'est-ce que. Donc, quand ça monte, tu relistres dans la émission. Ouais, tu relistres dans l'image dans la émission. Donc, du coup, il y a OK concert. Il y a Angola les 26. Oui, il y a un gros engagement. Il faut vivre le live. C'est le live de l'année ici.
Voilà, merci pour l'appel, Nayo. Nasepeli na réflexion, Nayo, merci beaucoup. Voilà, on a eu des parts et d'autres. Moi, je vais maintenant m'expliquer avant de finir la vidéo pendant au moins 5 minutes. Souffrez, que je puisse être clair. Souffrez, que je puisse dire la vérité des choses. Souffrez, ça c'est la forma Sikaba Live avec le master de la paix. C'est ici qu'on tape tout le monde et on dit la vérité. Les disques d'or de Fally Ipupa en RDC ne peut être comparé à aucune récompense. J'ai bien dit, les disques d'or de Fally Ipupa certifiés par le SNEP ne peut être comparé à aucune récompense qui est donc un artiste musicien congolais a obtenu dans sa vie. Les disques d'or de Fally Ipupa certifiés par le SNEP peut être comparé que avec la CAN que la RDC a gagnée, des CAN que la RDC a gagnée. Et des chants que la RDC a gagné. À part la CAN, à part le chant, c'est les disques d'or de Fally Ipupa, pour vous comprendre. Je vais m'expliquer pourquoi. La CAN est gagnée en Afrique. Ce n'est pas joué en RDC, même si c'était joué en RDC, mais il y avait plusieurs pays. La CHAN, la même chose. Fally Ipupa gagner un disque d'or certifié par le SNEP en France. C'est une première pour un artiste, un musicien congolais natif de la RDC. Donc, on ne peut jamais prendre les biloko des salités des Bikiboko, et mélanger, coller avec les choses vraies. Attention, on ne peut pas mélanger, j'ai toujours dit, on ne mélange jamais les torchons et les serviettes. Bosa torchon, vous allez rester des torchons. Fali. Aza serviette, tortille la serviette, y a une place, il y a valeur. Ce n'est pas parce qu'il est mort, mais c'est parce qu'il est comme ça, il est talentueux, il est bourré du talent, il est très fort. Arrêtez de prendre vos trucs, des salités, et mélanger ça avec des choses vraies. Si on vous dit, Fally, les trophées, les disques d'or qu'il a eu, n'est pas donné par Warner. Si on dit Fally, ses récompenses n'est pas donnée par Warner. Fally a obtenu un disque d'or certifié par les SNEP. Syndicat en France n'est comptable à disque d'or avant qu'il y a Fally, n'est PC disque d'or. Ce n'est pas Electra France, ce n'est pas Warner. Si Fally gagne Afrima Award, ce n'est pas des Congolais qui l'ont organisé, ce n'est pas des gens de Fally. Il n'était même pas là. Nous, on lui a demandé de ne pas partir cette année. On a fait des lives, on a appelé. Il s'est fait même pas déplacer parce qu'il prépare son album. Il fait des shootings photos qu'on est en train de publier. Il fait des choses. Et il n'est même pas parti prendre hein, ou s'autre part parce il pouvait prester aux Afrima Awards. Mais il a obtenu un trophée. Si maintenant on a des stupides, des gens qui ne comprennent rien dans ce monde ici, pour mélanger des choses, ils prennent un Fally qui mérite, un Fally qui travaille dur matin, midi, soir, un Fally qui est fort, pour mélanger ces récompenses méritées par le travail avec des choses bidons, des petits bocolos. Mais moi, j'aurais pitié. Je vais d'abord saluer mon frère que j'aime beaucoup. On a toujours des débats, on a toujours parlé. Monsieur Ndomboli, nos leaders. Mais c'est Ndomboli, nos leaders. Moi, je t'aime beaucoup, tu le sais, frère. On parle toujours, on fait toujours des débats. Fally à l'équipe bangoise, oui. Mais il faut arrêter. Ndomboli, je t'aime, tu le sais très bien. On parle, on collabore, on fait tout, 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 tout. Pardon, je sais que tu vis avec ma polémique. Bani, ça un peu joli. Ne prenez pas des photos de Fally pour pas mélanger Nabablo à Kiboko, les maîtres des titres de Bikiboko. Non! Fallu, depuis qu'il a eu un master de la presse, on est en train de cogner. Les trucs là de Kiboko est créé par une maison de production. C'est comme si moi j'ai créé cette vidéo. Et à la fin, je prends ma vidéo pour dire que non, ma vidéo elle est meilleure. Mais je vais toujours dire que ma vidéo elle est meilleure. Est-ce que je peux dire que non, ma vidéo n'est pas bonne? Il y a mon tel et les qui. Non! Parce que c'est ma vidéo. C'est moi qui produis cette vidéo. Je vais toujours mettre ma vidéo en première position, à la pole position. Ne mélangez pas, on ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. On ne le fera plus jamais. Et moi,
Aimé ou pas, nous allons rester avec des soldats au live, les gens qui vont appeler pour combattre et pour dire des choses. Dans la version émission, bon, c'est pas là, mais c'est ça la polémique, c'est nabé émission. Mais live, il faut tout recadrer. Je dois recadrer les gens. Je dois dire la vérité parce que c'est plus fort que moi. Au live, je dois dire la vérité. Que Fally est meilleur, que Fally mérite ses trophées. Fally mérite tout ce qu'il fait. Mais si une personne veut suivre Fally au stade des martyrs, mais il faut suivre Fally, merci Ambassi de Nicolas Mogogo, mais il faut suivre Fally au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, Togo. Il faut suivre Fally partout. On ne suit pas Fally qui est parce que Fally a bêti stade, il y a un stade gratuit, au bêta stade, non. En passant, nous allons chercher le message de l'artiste musicien Fally Ipupa pour le Togo. Et nous allons savoir. Donc, si tu veux suivre Fally Ipupa, il faut l'ander partout. L'ander Fally partout, on dit maillot. L'ander Fally partout, on dit maillot. L'ander Fally partout, on dit maillot. Bête qui est né à Togo, bêta. Faut faire des concerts à Togo, hein, ceci, c'est là, comme ça on va comprendre que non. Voilà, Fally, Fally. Voilà, d'autres choses on va vous faire passer demain. Je crois que le live a déjà pris sa fin. Je vais rester vrai et je dirai toujours la vérité parce que c'est plus fort que moi. Donc c'est Fally pour pas ou rien, mais les lives, on cogne, on recadre, on dit la vérité. Voilà, c'est comme ça. Nous allons se retrouver un prochain numéro de cette émission. Donc, tout un embrassement. Bisous, bye.